sommes ici sur la côte landaise. Cette côte est rectiligne depuis le cap de la Négade, au nord du Médoc, jusqu'à ce qu'on appelle ici la côte d'Argent. Cette rectilinéarité est liée à deux phénomènes. D'abord, la présence de sable, c'est-à-dire un sédiment très meuble, facilement érodable. Et ensuite, un courant nord-sud qui est créé par la houle. Sur les côtes aquitaines, girondines et landaises, la houle provient du nord-ouest et génère un fort courant vers le sud qu'on appelle la dérive littorale. Ce courant s'intensifie après les tempêtes. C'est lui qui, par exemple, est à l'origine de la flèche sableuse qui forme la pointe du Cap Ferré, ou encore de la fermeture de lagunes et de leur transformation en lacs, comme ceux d'Ourtin et de Lacanau en Gironde, de Parentis ou de Sanguinet dans les Landes. On estime que la dérive littorale charrie 600 000 m3 de sable par an. Elle remobilise le sable et le transporte sous forme de dunes sous-marines qui migrent alors vers le sud. Ce transport se fait par paquets, appelés trains, toujours pendant ou juste après les tempêtes. Ceci explique que les plages s'engraissent ou s'amaigrissent en sable de manière plus ou moins cyclique. Le sable provenant du nord de l'estuaire de la Gironde est dévié vers le large par l'estuaire. Ainsi, le Médoc est sous-alimenté en sable. L'homme lutte contre l'érosion par l'installation de protections artificielles comme les enrochements. Par contre, dans les Landes, les départs de sable liés à la dérive littorale sont compensés par les apports, ce qui fait que les plages restent stables en apparence. Le sable que l'on voit ici est un sable qui appartient à une formation que l'on appelle le sable des Landes. Cette formation du sable des Landes est très peu épaisse, avec une épaisseur généralement inférieure à 1 mètre. Ce sable est un sable éolien, c'est-à-dire qu'il a été amené par le vent. Quand on le regarde à l'œil nu ou avec une loupe binoculaire, on voit qu'il est constitué essentiellement de quartz et de mica. Ce stock sableux n'est pas inépuisable, mais presque. Il a été mobile pendant la dernière période glaciaire. L'augmentation du stock de glace et la contraction de l'eau de mer plus froide on fait chuter le niveau marin d'environ 120 mètres sur la côte aquitaine, c'est-à-dire à la position actuelle de la limite du plateau continental. Il y a 20 000 ans, ce bas niveau marin a permis de mettre le sable à l'air libre, permettant sa remobilisation par le vent. Le sable a ainsi formé de grandes dunes côtières sur le plateau continental actuel. Entre 20 000 et 12 000 ans, pendant une période qui s'appelle le Pléistocène supérieur, qui correspond aux glaciations du Wurm III et du Wurm IV. Les vents froids ont érodé le sable et ont formé les dunes actuelles que l'on voit ici. L'action du vent s'est enregistrée sur les grains de quartz qui forment le sable. Cette action est marquée par la forme des grains que l'on appelle la morphoscopie et par l'état de surface des grains que l'on appelle l'exoscopie. Ici, les grains de sable sont dits ronds et mats en raison des chocs entre les grains et de leur dépolissage lors du transport par le vent. Une des caractéristiques de la côte aquitaine est la présence de baïnes. Le mot baïne signifie petit bas en gascon. Ces baïnes se forment par l'édification d'une barre sableuse, plus prosaïquement un banc de sable. Et ce banc de sable, eh bien, il va séparer le bain, la zone relativement calme, qu'on voit ici, de l'océan. Alors à un moment donné, cette barre sableuse va être crevée et il va se former un chenal que l'on voit ici, qui est orienté grossièrement parallèlement à la dérive littorale, c'est-à-dire pratiquement parallèlement à la côte. Le sable, amené par la dérive littorale, termine son périple dans un canyon gigantesque, le canyon de Cap-Breton. Ce canyon est appelé gouffre, car sa tête remonte très haut, à moins de 300 mètres du rivage, à proximité de son fleuve nourricier, l'Adour. Ce canyon, méandriforme,
s'étend sur près de 300 km et atteint une profondeur de près de 2000 mètres. Sa dimension s'explique car il se situe à une grande limite structurale que l'on appelle le front nord-pyrénéen. C'est la zone de contact entre la plaque européenne et la plaque ibérique. Ce gouffre est l'exutoire de la dérive littorale lorsqu'elle s'amplifie lors des tempêtes et qu'elle génère des apports de sable importants qui favorisent le déclenchement d'avalanches sous-marines. Cette animation 3D du golfe de Gascogne permet d'évaluer la topographie sous-marine. Le canyon apparaît comme une profonde vallée est-ouest au bord du plateau continental. Au nord du gouffre de Cap Breton, le plateau landais correspond à un seuil ancien qui sépare le bassin de l'Adour du bassin de Parentis. Plongeons maintenant dans la partie supérieure du canyon. Ici, des traces de fluides qui se sont échappées des sédiments lors de leur consolidation. Là, une loupe d'arrachement. Lors de la tempête du 27 décembre 1999, une de ces avalanches sous-marines s'est déclenchée. Un navire océanographique équipé pour échantillonner les premiers mètres de sédiments au fond de la mer a été utilisé. La carotte qui a été prélevé, montre clairement les dépôts de sédiments d'abord grossiers, puis fins au sein de cette avalanche.